Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light 2, non pas 2, pourquoi je dis 2 absolument, Dying Light pas 2, avec le DLC The Following et surtout avec Katox. Salut Katox. Ouais, bienvenue dans Dying Light 1,5. Exactement, 1,5 c'est un bon chiffre. Oh, je vais te laisser faire les coffres, ça m'énerve. Attends, je vais me refaire quelques crochets alors. En plus t'es à moitié mort, tu feras gaffe. Ah ouais. Alors crochet, fabriquer. C'est cool qu'un jour on puisse en fabriquer plusieurs d'un coup par contre. Bon, aussi, on les fait 5 par 5 mais... Je vais aussi refaire quelques... kits de soins. Alors le coffre. Raté. Bordel. Voilà. Nanana. Un couteau des champs, comme c'est mignon. Alors tout à l'heure on se disait en off que cette zone allait sûrement être un truc de quête ou quelque chose du genre, mais j'ai l'impression que pour l'instant rentrer ça va être compliqué par contre. Encore un train de marchandises. C'est quand même costaud hein. Y'a un démolisseur à gauche là. Derrière l'arbre. Et un crasher. Un crasher et un démolisseur. Je pense que je propose de les laisser se démerder. Oui hein. Merde. On a déjà suffisamment à faire avec le petit copain là. Putain, y'en a encore 3 derrière quoi. Merde, raté. Ah, y'a un zombie explosif. Putain, t'as allumé sa bonbonne, t'abuses. Ah, mais non. Grimper. Pourquoi c'est toujours sur moi qui fonce là? Sérieux? T'es où? T'es parti où encore? Moi je suis dans le train. Bon, le démolisseur va s'occuper des survivants, je crois. C'est bon, ils me voient pas, ils vont vers là où ça a explosé. Non, il y en a un qui arrive là. Oh, cette esquive du mec là, la vache, impressionnant. Ah, le démolisseur est en train de courir. Ah, mais non, mais il reste un survivant en fait. J'avais pas vu. Il va un peu se faire défoncer le pauvre, mais... Ah, ça c'est pour moi ça. Le petit okay. Caillou. Éliminer le démolisseur. Non. Ah bah oui hein. Oui, attends quoi? Ah non. Ouf. Oh, quand il a eu au vol le petit caillou lancé. Casse-toi, toi. Ah, y'a des caisses dedans? Il me dit rien. Bah, j'allais te le dire, mais j'ai pas lancé un démolisseur dessus. Moi? Absolument pas. C'est un vilain survivant là hein, qui a fait son malin. Tu penses qu'on peut se le faire à l'arbalète le démolisseur? Ça me paraît tendu hein. Il a l'air un petit peu taquin. De toute façon, je bénis la solidité des poteaux électriques. Je comprends. Ah. Est-ce que chez toi aussi le caillou est resté en l'air? J'adore. On a vu Katox s'approcher, puis d'un coup, bah. Il a volé loin. Un peu le sang, c'est la bonne nouvelle. J'ai entendu ton cri.
cri d'agonie. Ouah, agonie tout de suite. Agonie, je dirais pas. Souffrance, ça c'est certain. Mort, maintenant, c'est sûr. Hop là, voilà, il a fait le tour. Putain, c'est F pour te réanimer. Cours ! Il nous lance des cailloux. Les cailloux, mes mortels ennemis. J'ai réussi à lui mettre un carreau dans la tête. Je suis content de moi. Tu sais comment il bouge tout le temps, ce con. Ouais, c'est dur. Hein. Voilà, c'est bon, c'est fait. Merci de mourir. Bon, c'est dommage pour les... Oh, le bout de cadavre qui bouge dans tous les sens, quoi. Merde, y'en a un qui arrive, putain. Ah, ouh, ça, quand, ouh. Ouais, moi aussi, m'a surpris. Putain. Bon, bah c'est peut-être un peu plus calme là. À un moment. On le teste ça. Inventaire plein, ok. C'est quoi ton gros bruit de... Ah t'as une hache à deux mains. Ça va tranquille. Ouais. C'est juste pour le... pour rire parce qu'en vérité... Pas... Ah non, si, elle tape quand même un petit peu léger. Ouais, bah les armes à deux mains elles tapent pas mal, mais en général elles sont quand même tellement lentes à utiliser, hein, c'est chaud quoi. Tiens, il y a d'autres caisses dans le deuxième wagon là. Voilà, des petites pièces de voiture, hein, ça mange pas de pain. Hop là. Une machette. Moi j'avais des hachettes de jet. Putain, mais j'ai toujours. Tu l'as pas toi le caillou qui vole là? Non. Juste devant moi. Ouais, non. Il m'a balancé un caillou qui a bugué en vol tout à l'heure. Et du coup, il reste bugué en vol. Parfait. Du coup, on est censé aller par là, c'est ça? Ouais. Il y avait une quête normalement. Bah, il y a une personne disparue là, non? Il doit y avoir un cadavre quelque part. Ou un truc. Non, c'est pas ça. Ah non, fourniture militaire spéciale, mais on sait pas quoi en faire pour l'instant. Donc, non. Désolé. Bah, tu peux ouvrir le truc. Non, celui avec les lumières là, je sais pas quoi en faire moi. J'ai rien pour interagir. Bon, bah, plus tard. Il doit nous manquer un truc, une carte d'accès ou un truc du genre. Le mot de passe. C'est ça, le mot de passe. Alors, est-ce qu'il est encore aggro par des grosses saloperies, le survivant, ou ça reste gentil? Non, il a disparu. Hein. Je le vois plus. De toute façon, il va faire nuit. Hein. Donc l'un dans l'autre. Oh, t'es sérieux? Ah, quand même. Un petit kit de soins, ça mange pas de pain. Ah, mais il y a un gros tas à marteau. Il s'est retourné rapidement ce con. Boum. Bien wesh. Voilà. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Ah, y'a de nouveau un survivant devant. On n'arrivera jamais à avancer. Hein. Ouais, mais tous les affûts de chasse, il doit y avoir des marchands dedans, des trucs du style. Ah non, là y'a des... Fais quelque chose, je t'en prie. Alors, tu fais des claquettes, ça devient. Voilà, c'est fait. Il en reste un? Thanks, stranger.
you hadn't shown up, I would have died, and I never would have seen the coming of the God of the Sun. Heureusement que t'es arrivé pour me sauver, et tu sais, il prend tout le loot, il se casse. Je prends même sa thune, tu te rends compte. Quel fumier. Sans toi, je serais mort, le mec. Ouais, ouais, attends, laisse-moi ouvrir la caisse. Bon, allez, fasse ces safe zones avant qu'il fasse nuit, dirons-nous. Une station essence. Ah putain, y'a des ennemis. C'est un peu trop loin pour être efficace. Bordel. Ah pute. J'étais en train de me soigner, j'ai pas eu le temps. Gaffe à l'étage, y'a du monde. Et ils sont bien armés. Je suis sur le toit si jamais mais t'es à côté de moi, non? Ah oui, t'es là. Oh! Putain! Il m'a mis une bastos, je me suis fait défoncer. Je suis désolé, je te laisse un peu seul là. Bien joué, là j'ai un peu mal géré, je m'attendais pas à des humains, j'avoue. Je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur des humains dans une zone safe. Ouais, c'est vrai. Au moins ce qui est bien c'est que tout est déjà safe, tout est déjà allumé. Tu vois, il y a un trophée de course là, à côté du cadavre sans tête. Là, sur les petites caisses. Ouais. Oui. Par contre, je comprends pas trop comment les zombies qui courent ont pu me rentrer et que maintenant ils peuvent plus rentrer. Mais bon. Admettons. Ça y est, c'est la nuit. Des bruits légèrement inquiétants en épreuve. C'est ça. Le petit... Et ta montre qui sonne aussi, ça. Ouais, ça donne un indice. Ça c'est bien fait. Ça c'est un petit détail, c'est pas bête du tout. Ouais. Bah c'est pareil, techniquement tu la vois quand tu ouvres ton inventaire ou quand tu t'équipes certaines armes, mais je crois pas qu'il y ait de bouton pour la voir réellement. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment totalement l'endroit le plus sécurisé où mettre son lit. Là il y a des zombies qui sortent dessous les voitures. Elles sont où nos voitures? 30 mètres? Ah d'accord, elles sont hyper loin. Parfait. D'autres joueurs attendent que vous reposiez. Bah non, quand même. Parce que tu veux faire la nuit. Non, non, j'arrive. Il est où le lit? Marque à l'endroit, ici. Ah oui. À l'endroit le plus sécurisé du monde. Non, mais c'est bien. Au moins, on peut voir les zombies casser les bouts de bois et rentrer. C'est sûr, tu les rateras pas, là. Bon, bah on va aller voir un peu dans quel état sont les bagnoles parce que de mémoire c'était pas flagrant. Ah, il y a une. Mariage là-bas. J'ai entendu un gros boom. C'est quoi? Alors. Personne disparue, il y a une personne disparue dans le coin. Il y a un largage aussi, il est loin. Il est sur la route, ça serait jouable. Juste en fait demi-tour. C'est ça. Ah putain. Merci. Bon, on suit juste la route. Bah écoute. Ça avait l'air d'être juste sur la route. Bon, tu te bouges ou pas? Tu te traînes ou pas? C'est pas ça. Ah ouais. Merde. Ça c'est le drame par contre. Oh putain.
Réinitier les appositions, oui, merci. Ah ouf. Un petit soin. Ouais, le largage est juste là en fait. Bah, il était juste de l'autre côté du... Ils se rendent. Vous rendez ? Intéressant, on peut les faire se rendre. Ah non, voilà, on est d'accord, ils se rendent pas du tout. Ouais, parce que quand je l'ai pointé avec mon flingue, il levait les bras et tout en mode on se rend, mais. Dès que je me suis un peu approché. Bordel. Putain, j'ai entendu comme un bruit de charge. Oui, aïe. Un bruit de charge, c'est carrément un bruit de charge. Bah, si tu veux vite récupérer la caisse là, puis après on s'arrache. Attention, caillou. Je vais le mettre ailleurs. Allez, suis-moi, gamin. Hop. Merde. Ouais. Allez, il m'a ouvert. Je pensais pouvoir glisser entre ses jambes, mais non, on ne peut pas. Vas-y, viens par là, viens par là. C'est bien. T'as pris les caisses ou pas? Ouais. Alors, Cassos, il va recharger. Mais te mets pas à l'arrière, dégage. Mais qu'il est con, ce gosse. Bon bah on essaie d'aller plus ou moins vers la quête. De suite. Plus ou moins, hein. Moi je vais en ligne droite. Alors là il y a la foutue zone industrielle qu'on doit contourner. Merde, faut que je suis rentré plus. Ah putain, c'est bon. Fermé au bout des rails. Oh non mais là on peut ressortir là. Parfait. Ça me va le BMOS. Ouais, il va être costaud celui-là. Tu l'as vu ? Ouais, ouais, tu peux le voir, t'as un petit trou à travers la porte. Ah oui, effectivement. Ça donne pas envie. Merde. Ça se casse. Galère en champ là. Ils sont en train de défoncer mes amortisseurs. Oh, c'est pas difficile de passer là. Ah putain. T'es apparu en plein devant moi quoi. Parce que j'ai dû réinitialiser la position. Ah c'est encore encore un relou avec un démolisseur là. Ça a l'air. Ah putain c'est électrifié ici. Vous êtes mort. J'ai même pas eu la chance de pouvoir me dire que t'as me ressuscité, mais je suis juste mort. Alors c'est la mort même. Ah. Ça y est, c'est géré. Je crois que c'est un peu press-safe cette zone en fait. Il y a des barbelés partout et dedans c'est de la... Bien joué. Poids lourd, bah écoute très bien. Quand on doit aller ?
Je sais pas, je m'étais arrêté là parce que t'avais tourné pour voir c'était quoi les ventes, mais faut qu'on reprenne nos voitures puis qu'on continue d'avancer, je pense. Si on veut aller nettoyer la zone. Je vais peut-être jeter un oeil quand même à l'état. Je vais faire ça aussi à mon avis. Merde, j'entends que ça crie. Je vais peut-être pas le faire en fait. Ciao. Faut que je fasse plein. Putain, il grimpe sur ma caisse, c'est con. Oula. Oula, 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 oula. Oula, oula. Voilà, c'est plus tard. On va essayer où qu'on doit aller. Super loin. Merde, c'était un truc explosif ça. Ah, et ici c'est un cul-de-sac. Parfait. Ah mais oui, bah on va peut-être pouvoir terminer notre safe zone, tiens, maintenant qu'on a du courant. Ah. Grave, saloperie. Putain. Tiens, je t'écrase. Ah, une saloperie qui me grimpe dessus là. Bah en fait elle est déjà activée toute seule. Pas besoin de s'emmerder. Par contre il est où le machin réinitialiser voiture? Il n'y a pas de machin réinitialiser voiture ici. Dommage, c'est juste une petite safe zone à la con. Ah, on doit juste passer par là là. Ah, du coup on peut pas remonter avec nos voitures, donc on peut pas refaire le super saut de l'enfer. Faut que je passe moi. Écoute, je sais pas comment tu peux faire pour passer. Déjà tu pourras laisser ma voiture. Hop. En longeant le côté, je suis passé. Oh oui. Et regarde. Voilà. Ça c'est un homme, un conducteur d'exception. Bah je crois que j'ai glissé. Je suis même revenu sur le chemin. Voilà. Merde. Ah, t'y arrives ? C'est raté. Je réinitialise. On va rouler un petit peu à flanc de colline. C'est bon, j'ai retrouvé la route. J'arrive. Bon, je crois que j'ai une pièce qui est devenue jaune. Donc... Parfait, la bonne idée. Aïe. Si tu voulais bien te soigner, mec. Une pause ici, rendre nos quêtes vite fait. Tant qu'on y est. Allez. Jazeer, what's wrong? What's going on? Il y a un problème avec l'eau. Everything seemed all right, and suddenly people started feeling sick. I hope you know something about it. I don't, but I'll see if I can figure out what's going on. Ah, d'un seul coup ils vont plus être immunisés aux zombies. Jazeer, I got that kid's present. Can you get it to him? You risked your life to make a child happy. All I can say is thank you. Achète des foies d'esquiveurs. Okay, Jazeer, I gotta ask. Why the hell do you want bolter livers? Those damn filthy bolters. They keep desecrating the graves of our beloved. They eat the corpses we've laid out for the wind to take. Et donc? Okay, but the livers... For heaven's sake, don't they teach you anything in the city? It's about the smell. You can use it to attract more of the same kind.
It's the Thremo, Thesmo. Pheromones. Yes, that's what I said. Or could you use it to scare him off? And that's what I wanted to say. You learn fast, boy. Okay, so these bolters are attracted to fresh bodies you, what, leave for the wind? Yes. If you see a bolter, just run it over with your car, okay? That'd be much appreciated. And... Les esquiveurs... Ah oui, les esquiveurs, c'est des espèces de trucs avec un cerveau bizarre, là. Les agiles esquiveurs sont plus à l'aise à la campagne, sortent en journée et dorment une fois la nuit tombée. C'était l'inverse, avant, il fallait sortir la nuit pour les choper. Non, pour en choper d'autres. Bah pourquoi pas. Alors là, on a un laser. Hey, Jazeer. Those bandits who took over Erkan's farm. Aren't you afraid they're gonna target you guys next? Here we can handle them, and we're no soldiers. I won't send people to die out there. Well, your set of skills might come in handy in this situation. Just talk to Eski. She'll explain the kind of scum you'll be dealing with. And maybe try to find Polat too. He used to work at Erkam's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. Okay. Plan quête. Hey, so you know, Jazeer. Who's this Sabbat? He was supposed to get you guys some medicine? Yes, yes he was. He was bringing us fresh herbs every single week. But we haven't heard from him for too long now. I know, he's probably dead, but we can't be sure. You don't know the man. He wanted to become one of the Faceless. He wouldn't let himself get killed easily. Is there where I should look for him then? And what about those fevers? You still need some herbs, right? He lived in a hut out on that rocky island. And yes, he always kept medicine there. Just be careful. If something's got to Sabbat, it's no laughing matter. Bah voilà, on a obtenu plein de trucs. Et je crois qu'on devait donner des lettres aussi. Ah oui, encore une quête. Ouais, tell me about this Sabbat guy. Before the outbreak, what was his job? He was a forest ranger, a proud and brave man. Always said he felt better in the company of animals than people. Yeah, I think I know the type. So he was a natural fit for the Faceless? No, that idea came later. He wasn't a believer at first. It was only when he received the Mother's blessing that he decided to help her achieve her goals however he could. And that's when he started bringing you medicine? Taking care of some of the needs of our community, yes. And he still lived in the hut? That's quite a commute, especially on foot. And that's what was special about Sabbat. He just wasn't afraid. Not of monsters. Not of the dark, even. Nous aussi. He wandered around in the night as if it were nothing special. Thin line between bravery. Moi, j'ai pas peur de prendre. C'est juste que la nuit je dors, c'est tout. Alors, on avait des lettres à donner aux gens. Facture. Des factures. J'imagine bien, c'est des factures. Ah merde, t'en as trouvé un. Attends. B, hop là. Ilum, that's you? Here, brought you something from the post office. Are you kidding? That's great! Wow! For fuck's sake, you're blowing my power bill! Well, don't get mad at me, I don't read other people's mail, I didn't know what it was! Ah, fuck it! Smells like I'm gonna pay it! Oh putain! N'importe quoi! Viens de faire la vanne, merde! On a appris à fabriquer arbalète améliorée! Parce qu'on lui a ramené une facture. Je savais pas que les factures étaient si instructives que ça, hein. On est monté au niveau d'après. Utilisez ce plan pour transformer votre appareil standard en arbalète 2.0. Go. J'ai envie de te dire. Alors, c'est le mec qui est tout en haut là. Faut lui filer. Coming. Listen to my story, mister. Yeah, I'm all ears. It's a beautiful story about pride, prejudice, war, and peace. It starts in the olden days when people still were honest and true. And there were... Toi aussi en français, il joue le mec bourré? Ouais.
Mais mec, c'est utile. C'était pas lui qui fallait donner le courrier. Ok, très bien. Tiens, salut machine. T'as un bijou pour nous? Non, même pas. Hey, Eski, oh. That's Erkan's daughter, right? No, that's not her. That's what's left of her. She was the happiest person I'd ever known, but now... I'm sorry, but she's, conscious, right? Conscious, yes. But the longer she lies there, the more I feel like she just doesn't want to live anymore. When she was still speaking, she told me they hurt her. And her mother. They shot her brother in the face, Kyle. Made her watch. T'as peur? Alright, I'll take care of it. Effectivement, il va falloir qu'on s'en occupe. On va aller... On va leur parler gentiment, on va leur dire que ça se fait pas. Ouais, je pense que c'est une bonne option. Excusez-moi, mais non, je ne suis pas d'accord. Excuse me, Sarah. I found something for you at the post office. Are you serious? I mean, thank you, but why did you bring this all the way here? I just thought it might be important. Well, for a moment there, I felt like everything was normal again. Like this nightmare never happened. Thank you. Truly. Hey, no problem. Take care. Parfait. Donc là, on a donné tous les courriers. Non, il reste Paulette. Paulette, il est dans le coin ou... Ouais, il est dans le coin. Je voulais ouvrir la porte gentiment, il a un énorme kick dedans. Bah, je me disais bien que t'avais pété une porte. J'ai entendu un bunk. Ok. Je veux sortir. J'ai trouvé une lettre adressée à vous dans le post office. Holy shit, really? Thank you. Je me demande ce qu'il est. Une facture? I hate to ask, but I can't read. My wife always read this stuff for me. But now that she's gone, would you mind? Oh, yeah, no problem. Okay, let's see. You sure you want me to read this? I mean, it's a personal letter. Yes, please. Okay, so... Polat, you damned son of a bitch. Don't you even think about dying out there. If I find out you were killed by a zombie, I'll fucking haunt you in the afterlife. Your ass is mine. Love, Talo. Oh, damn, I missed that man. Pardon? Talo, that's my brother. Haven't seen him for months now. Wonder if he's still alive. Très très bien. Bon bah, si jamais on tombe sur un Talo... On saura quoi faire. On a fait le tour ici? Bah, on avait les quêtes à donner. Ça a l'air d'être tout, hein. Ça a l'air d'être tout, ouais. On va aller venger la famille. Marchand et tout, bah ouais. On peut aller venger la famille si on veut. Mais on peut aussi arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long. Donc je pense que la prochaine fois on ira venger la famille. Si ça devait, on s'arrête là. On s'arrête là. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé et à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.